Bonjour Laurie, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans le bateau, je vole! 911! Ambulance, police ou pompier? Ambulance, ma fille se prend pour un oiseau! Pour un oiseau? La salle d'ambulance est pleine. Contactez plutôt l'inspectrice fouineuse. Allô, ici l'inspectrice fouineuse à votre service. Bonjour, c'est Madame Kamel, la mère de Laurie Kamel. Ma fille se prend pour un oiseau. Quelle adresse? 100 rue de la Fosse aux Ours, appartement 301. J'arrive tout de suite, au revoir. Bonjour inspectrice. Bonjour. Je vous présente mes filles. La plus grande sur la chaise, c'est Laurie. Et la plus petite, c'est Emma. Bonjour Laurie, bonjour Emma. Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? J'étais dans le couloir pour aller jeter les poubelles quand quelqu'un qui tenait un verre rempli jusqu'au bord m'a bousculé. Je suis tombée, mon bras s'est cassé et la personne s'est enfuie en courant. Je n'ai pas fait attention à elle parce que j'avais trop mal. Après, maman m'a conduite à l'hôpital et quand nous sommes rentrés, Laurie était évanouie par terre dans le couloir. Maman l'a pris dans ses bras et je suis allée me coucher. Bonjour. Bonjour, je suis l'inspectrice fouineuse. Pourquoi venez-vous ici? Je viens vous interroger sur l'empoisonnement qu'il y a eu dans le couloir de cette hier soir. Où étiez-vous hier soir? J'étais ici, dans mon laboratoire. Et que faisiez-vous? J'examinais les grenouilles. Pourquoi? Parce que c'est mon métier. Oh, je vois, ne quittez pas votre domicile. Je pourrais devoir vous interroger de nouveau. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je suis l'inspectrice Rineuse. Venez discuter dans le salon. Merci. De quoi s'agit-il? Il y a eu un empoisonnement dans le couloir hier soir de cet étage. Oh non, qui a été empoisonné? Laurie Kamel. Elle est devenue folle. Elle qui venait si souvent jouer avec mon chat, pauvre petite. Bon, commençons l'interrogatoire. Où étiez-vous hier soir? J'étais chez ma petite fille. Pourquoi faire? Un souper familial. Où habite-t-elle? À 15 minutes d'ici, c'est une grande maison. Merci. Ne quittez pas votre domicile, il se pourrait que je doive revenir. Au revoir. Au revoir. Oui? Bonjour madame, je suis l'inspectrice fouineuse. Je viens vous interroger sur l'empoisonnement qui a eu lieu à cet étage. Ah, entrez. Où étiez-vous hier soir? J'étais chez moi, je regardais le film Titanic. J'adore les films comiques. Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre? Non. Bien, ne quittez pas votre appartement, je pourrais encore devoir vous interroger. Oh, d'accord. Au revoir. Au revoir. Votre fille avait-elle des ennemis? Il y a une fille à l'école, la petite fille de Madame Réglisse. Madame Réglisse, ici? Je vole, je suis un cui, cui, cui. Oui. Je vole, me, me. Je suis une vache, me. Bonjour, professeur. Bonjour, Madame Pastille. Ça a marché. Voici 100 dollars. Vous pouvez commencer la fabrication à grande échelle. Merci, je vous recontacte. Au revoir. Au revoir. Bonjour,
Bonjour, mesdames. Quoi, Bonjour, madame. J'ai la coupable et je lui donne 3 secondes pour se dénoncer. 1, 2, 3. Personne? Eh bien, madame Pastille, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Vous le savez, vous avez empoisonné Laurie. Comment savez-vous ça? Alors comme ça, vous aimez les films comiques, hein? Est-ce que Titanic, c'est vraiment un film comique? Non. Bon, d'accord, je l'avoue, j'ai empoisonné Laurie. C'est vrai que madame Réglisse pouvait faire une bonne suspecte, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi avez-vous empoisonné Laurie? J'avais besoin d'une cobaye pour tester un poison qui rend fou. C'est vous qui avez fait le poison? Non, c'est ma complice, professeur Lily. Professeur Lily, l'avez-vous fait pour de l'argent? Elle m'a donné 100 dollars. Madame Pastille, pourquoi vouliez-vous tester le poison? Je voulais de l'argent, je voulais le vendre. Emma, est-ce que c'est cette dame qui t'a bousculé? Je crois que oui. Madame Pastille, je vous arrête. Professeur Lily, où est le poison? Le voici. Y a-t-il un antidote? Je connais une docteure très bonne là-dedans. C'est la docteure Laura. Très bien, maintenant, en prison! Le lendemain, Madame Kamel et Laurie vont chez la docteure Laura. Bonjour madame, j'ai entendu dire que Laurie a été empoisonnée, c'est ça? Oui, en effet. Puis-je voir le poison, s'il te plaît? Oui, le voici. Merci. Quelques jours plus tard, Madame Laura se rend chez Madame Kamel pour lui apporter l'antidote. Bonjour madame, j'ai une bonne nouvelle pour ta fille. Je crois que j'ai trouvé l'antidote. C'est merveilleux! Laura, tu es sauvée! Ok, Andy, quand tu veux que je t'envoie une tuerie. Aucune idée, hein. C'est comme le...